un bon frère qui est millionnaire, il a fait sa fortune d'un cellulaire. Le mois passé, il est parti en vacances, quelque part dans les îles de la Délivrance. Il s'est trouvé un motel pas trop cher, quelque chose comme deux fois mon salaire, avec une vue sur l'Atlantique. Non mais c'est-tu beau avoir du fric? Tout était presque parfait, sauf un petit quelque chose qui l'intriguait. C'était tous les débuts d'après-midi, un homme dormait devant chez lui. Fait qu'une journée un peu curieux, il dit: excusez-moi monsieur, j'ai une question à vous poser, mais qu'est-ce que vous faites de vos journées? Le bonhomme d'à peu près 35 ans basané dit: je m'appelle Fernand, tiens, bois ça, prends le temps de t'asseoir, je te dirai tout ce que tu veux savoir. Mon beau-frère, toujours pressé, hésitait à prendre le thé, mais il s'est dit qu'une histoire triste, ça lui rappellerait à quel point il était riche. Fait qu'il s'est assis sur sa mallette pour pas salir ses culottes en spandex. Puis l'homme a conté son histoire comme s'il le faisait tous les soirs. Ben le matin, je me lèverai vers 6h, puis je saute sur mon bateau de pêcheur. Je ramène une coupe de poisson pour ma femme, puis mes deux garçons. L'après-midi, je prends ça mollo, je fais une petite sieste sur le bord de l'eau. Je reviens chez nous toujours à temps, voir le soleil sur l'océan. Mon beau-frère, toujours à l'affût, dit: Fernand, fais de l'argent si tu te bougeais le cul. Si tu pêchais toute la journée, le poisson tu pourrais le vendre au lieu de le donner. Mais qu'est-ce que je ferais avec cet argent-là? Réponds Fernand, un peu comme tu t'achètes un maudit gros bateau qui va 10 fois plus vite que ton rafio. Fait que tu peux aller beaucoup plus loin où il y a 100 poissons pour un marin. Puis ça va tellement te rapporter que tu te payes une douzaine d'employés. Puis plus t'as de pêcheurs, plus t'as de poissons. Plus t'as de poissons, moins tu le vends cher, moins tu le vends cher. Puis plus t'en vends, ouais, puis plus t'en vends, plus t'es gagnant. Mais bon Fernand, tout mélangé, regarde mon beau-frère avec curiosité, lui dit: une fois que j'ai fait tout ça, peux-tu me dire qu'est-ce que ça me rapportera? Mon beau-frère, tout étonné, pas que le pêcheur a pas cliqué, dit: voyons, t'es plein d'argent, tu te payes une grosse retraite. À 50 ans, le bon Fernand, un peu gêné, dit: la retraite, qu'est-ce que c'est? Je vais pas avoir l'air peu instruit, mais ce mot-là, ben, on le connaît pas ici. Fait que mon beau-frère se ferme les yeux, il se concentre, il sourit un peu, il pense à grosse retraite qui va se payer, puis il livre le fond de ses pensées. Ben le matin, je me lèverai vers 6h, puis sauterai un petit bateau de pêcheur. J'emmènerai une coupe de poisson pour ma femme, rester à maison. L'après-midi, je prendrai ça mollo, je ferai une petite sieste sur le bord de l'eau. J'entrerai chez nous tout juste à temps, voir le soleil sur l'océan. On aurait dit que c'est à ce moment-là que l'homme riche est devenu un autre gars. C'est comme si le beau-frère avait compris que Fernand était plus riche que lui. Aujourd'hui, mon beau-frère, il est pêcheur, quelque part au sud de l'Équateur. Puis l'après-midi, il prend mollo avec son chum Fernand sur le bord de l'eau. Bouh!